Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass, nous voici pour un achat lecture manga. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi. J'avais déjà lu les 5 premiers tomes de Prisonnier Riku et je trouvais ça bien, mais sans plus. Voilà, j'aimais bien l'univers post-apocalyptique d'une ville de Tokyo qui est sans dessus-dessous à cause d'une météorite qui lui est tombée dessus, et où l'on retrouve une population abandonnée de tous, isolé derrière un mur bâti après cet événement. On suit donc un jeune garçon prénommé Riku, un orphelin des rues qui va être le témoin du meurtre d'un agent de police qu'il considérait comme son papy. Seulement, le meurtrier est quelqu'un de puissant et il réussira à envoyer Riku en détention avec une peine de 30 ans pour le meurtre de son papy qu'il aimait tant et dont il a été témoin de l'assassinat. Donc on retrouve Riku détenu dans une prison de malades et face à des prisonniers dangereux pour un crime qu'il n'a pas commis. Et durant ces 5 premiers tomes, on voit la touche shonen de Riku, avec ses bons sentiments qui arrivent à retourner les cerveaux de certains détenus en se confrontant aux plus badass d'entre eux. Mais avec cette touche un peu gnangnan assez récurrent chez certains héros de manga. Donc voilà, j'aime bien le titre pour son dessin et le côté badass de certains personnages, ainsi que pour l'univers dystopique et carcéral du titre, mais j'étais pas pressé de lire la suite non plus. On va dire que j'avais d'autres priorités, comme beaucoup d'entre vous. Et ce, malgré le forcing de certains qui crient haut et fort que c'est la meilleure série du monde. Bon, vous me direz, on a l'habitude des forceurs, surtout de ceux qui embrassent la cause du For You. Et parfois, à juste titre, hein, il faut le reconnaître, mais il y a deux éléments qui ont fait pencher la balance. D'abord, j'entends à plusieurs reprises du fait qu'à partir du tome 6, bon bah, comme par hasard, ça devient trop bien. Puis j'apprends que le mangaka de Prisonnier Riku a annoncé, au même titre que celui de Hajime no Ippo, qu'il refuse et refusera à jamais que son manga soit une série numérisée. Donc voilà. Je m'y mets et il était temps car j'arrive à me procurer de justesse les derniers tomes de Prisonnier Riku au prix éditeur, car les tomes 14, 15, 24, 25, 26, 27 sont ou sont en train de tomber en rupture de stock. Alors, j'ai acheté et lu le tome 6 et pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu qu'en temps réel, j'ai lu à la suite le tome 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas lu le tome 20 et 21, c'est qu'il n'était pas encore arrivé chez moi. Mais c'est chose faite. Et vous devinez que si j'ai enchaîné les tomes, c'est que j'ai trouvé un vrai intérêt. Je découvrais un Prison Break, la saison 1, en format manga version shonen. Mais surtout, la personnalité de Riku, que je trouvais un brin trop gnangnan, laisse place à une locomotive qui entraîne avec lui des camarades et voilà les personnages. Voilà, on va nommer Renoma, qui est un parfait exemple. Il est badass avec un bon background bien puissant, des failles et des faiblesses, mais aussi avec de l'humour et quelque chose d'attachant qui émane de lui les rares fois où il est en paix. Donc voilà, le manga est rythmé comme un excellent Prison Break à la sauce manga, avec des personnages haut en couleur qui gravitent autour de leur projet d'évasion qui appartient à Rimona et Riku. Et si je devais donner une note moyenne à la série à travers ses 19 premiers tomes, ça oscillerait facile entre 17 et 18 sur 20 selon les tomes. Et vivement la suite que je me mette à jour dans ma lecture jusqu'au tome 35, sachant que la série est finie au Japon au 38e tome. J'ai également acheté et lu le personnage de Rensuke Oshikiri. Alors, j'ai appris l'existence de ce manga en deux tomes à travers une vidéo de Inku Manga, que j'apprécie pour ma part car elle donne son avis et son ressenti sur ses lectures, et en vrai, bah, c'est ce que j'aime lorsque je regarde une vidéo qui a pour thème le manga. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, faites-vous plaisir. Et j'étais particulièrement intéressé par ce manga qu'elle présentait, le personnage, car il était du même auteur et du même mangaka que Ice Core Girl. Donc un manga sur le rétro gaming avec en toile de fond une romance, ou l'inverse, comme on veut, hein. Pour ceux qui connaissent le manga, voire l'anime, il a un style graphique vraiment particulier qui est en vrai est prédestiné au genre horreur. Et comme par hasard, le personnage est typiquement un récit horrifique qui lui va à merveille.
J'ai adoré ma lecture et entre-temps, j'ai appris qu'un one-shot du nom de Sayuri vient tout juste de sortir. Un titre qui semble tout aussi dangereux. Et pour les émotions ressenties de ma lecture des deux tomes, je lui donne la note de 18 sur 20. Pas forcément pour l'originalité du récit, mais pour le traitement des personnages et l'ambiance générale de l'œuvre. J'ai également acheté et lu les deux premiers tomes de Chiaia Furu de Yuki Suitsugu. Alors, comme vous le savez maintenant, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment maintenant, je suis un grand fan de Hikaru no Go. Et j'aime les mangas qui arrivent à me faire procurer des émotions, que ce soit avec le go, le sport, la musique et autres thèmes dont seuls les Japonais ont le secret. Et Chiaia Furu, mais je devrais dire Chiaia Buru, bien que ce soit clairement un shoujo, semble avoir cet ADN. Et bien évidemment, ce serait réducteur de dire que c'est le seul, d'autant plus que je découvre Kenan the Slope et Donabe Cantabile, qui m'avaient l'air tout aussi prometteurs dans leur style manga-musique. Voilà, donc le manga Chiaia Furu met à l'honneur un jeu typiquement japonais que d'ailleurs je ne connaissais pas, le Karuta, qui est un jeu de cartes qui se joue à travers la phonétique d'un poème qui est récité et dont les cartes correspondent à certaines parties que les joueurs doivent se procurer avant l'adversaire. Bon, je ne rentre pas dans les détails, le plus simple c'est de lire le manga, on comprend très vite le truc, voire l'animé. Lorsque j'ai voulu le faire, par contre, moi, je n'ai vu que la saison 3 qui était dispo légalement, mais bon, je pense que vous pouvez vous débrouiller pour trouver la saison 1 et saison 2. Alors, est-ce que ça fait le taf? Bah oui, le premier tome m'a attrapé et j'ai eu envie de lire le tome 2. Car même si le Karuta a ou va avoir une place prédominante dans le récit, bah c'est pas que ça, il y a du drame. Et bien sûr, tous les ingrédients pour une romance digne d'un bon shoujo. Alors, ce que j'aime aussi, c'est que le dessin, certes shoujo, est pas trop marqué, et pour moi, il peut aussi bien être considéré comme celui d'un shonen, s'il faut absolument le cataloguer. Et un manga comme Shine en serait un très bon exemple, hein, shoujo, shonen, parfois, on ne sait pas trop. Je donne donc une note globale sur ces deux premiers tomes de 17 sur 20, car j'aime ce genre de manga, c'est ma came. Et là où certains y verront un défaut, moi je suis heureux de savoir qu'il y a plus d'une trentaine de tomes disponibles. Bon, mon souci se situerait plus sur le fait que je commence beaucoup de séries en même temps qui sont tout aussi longues. D'ailleurs, j'ai également acheté et lu les tomes 7, 8, 9 de Space Brothers. Alors, j'adore. Je m'ennuie à aucun des tomes, bien qu'ils peuvent être plus ou moins verbeux. Alors, je spoil, mais sans vraiment spoiler, car ce n'est pas là l'intérêt de la série. Mais dans ces tomes, on suit un des frères qui devient donc aspirant astronaute, tandis que l'autre, lui, est déjà en train de fouler pour la première fois la Lune. Et qui commence d'ailleurs une mission qui tourne mal, et on n'est pas loin de se retrouver un petit peu dans l'ambiance de Seul sur Mars. Je ne sais pas si vous avez lu le livre ou vu le film, mais bon, à partir de là, vous comprenez. Et le grand frère, il est toujours aussi attachant et surprenant. Puis on découvre par contre que le petit frère, bah, il mérite bien son statut actuel de jeune prodige japonais et qui a pris de l'avance sur son grand frère. Alors, en attendant que l'écart entre les deux frères se comble, on découvre les qualités de chacun d'eux. C'est simple, en ce moment, je ne vous parle que d'œuvres de qualité qui méritent des notes qui flirtent entre le 17 et le 18 sur 20 facile. Et on va enchaîner avec un manga que j'ai eu gratuitement lors du premier confinement, March Comes in Like a Lion, et dont j'avais eu du mal à rentrer dedans à ce moment-là. Mais c'est aussi peut-être parce que je ne savais pas de quoi parler ce titre et qu'il était gratuit. Ce qui fait que je me suis peut-être moins investi dedans. Et après ma lecture de Chiaia Bolu sur le jeu de cartes et mon amour pour Hikaru no Go pour le jeu de Go, je ne pouvais pas bouder le manga qui traitait du shogi, donc le jeu d'échecs japonais. C'est lors de ces moments-là qu'on se rend compte que nous sommes plus ou moins réceptifs à une œuvre selon le moment où les conditions sont réunies pour en apprécier la pleine mesure. Parce que là, où durant ma première lecture j'ai trouvé ça lent et un peu pâteau, eh bien là j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai hâte de voir des parties de shogi, mais aussi tous les événements qui traitent des relations sociales autour du personnage principal. Alors, j'ai particulièrement apprécié la construction du récit d'abord, puis le traitement assez particulier qui nous fait découvrir notre jeune héros, qui est, je trouve, remarquable.
Alors, je sais déjà que c'est une autre lecture que je vais avoir en parallèle de Space Brothers, de Chiayabulu, de Bakwanreto et de Moonlight Act, sans parler de Prisoner Riku, mais que je vais signer direct car je la possède déjà. Alors que les autres séries que j'ai citées, je les achète par contre eux en format numérique. Et donc, au fur et à mesure, lorsque je l'ai fini, tome après tome. Donc là, je mettrais bien facilement un 18 sur 20 pour la surprise et la conception du premier tome, que je vais d'ailleurs pas tarder à enchaîner avec le tome 2. J'ai également acheté et lu le troisième tome de Cigarette and Cherry. Bon voilà, c'est une série toujours aussi plaisante à lire. Quand tu te dis qu'il est un peu relou et immature le personnage principal, celui qui cherche à plaire à la demoiselle qui est en couverture, le récit arrive à relever la barre, ce qui fait que cette relation n'est pas non plus improbable. Donc ça se lit bien, j'aime toujours autant malgré les faiblesses du héros, mais qui se révéleront finalement peut-être comme sa force. Ouais, en tout cas, j'ai bien aimé la rivalité instaurée entre un jeune homme et un homme déjà accompli. Je reste sur une bonne note de 16 sur 20. Je lui aurais bien donné 17 sur 20, mais je crains quand même que le soufflet des premiers tomes retombe. Donc, à voir lors du tome 4, et je croise les doigts. J'ai également acheté le tome 2 de Hitman. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins, je suis un peu déçu. Autant j'avais bien apprécié le premier tome, mais je trouvais le récit trop shonen, et surtout la tête à claque qui sert de héros à gueuler tout le temps. Je sens déjà l'animé relou avec les seiyuu. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, les seiyuu, ce sont les doubleurs japonais. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est une œuvre que j'aurais adoré surkiffer en seinen. Un peu beaucoup comme Bakuman d'ailleurs. C'était la cause du pourquoi je les drop après une dizaine de tomes sans avoir spécialement eu envie de connaître la suite et même la fin que je devine. Et s'il y a de bons éléments dans cette licence qui est Hitman, bah je ne suis pas sûr que ça suffise pour moi. Donc je vais lire le troisième tome lorsqu'il sortira. Peut-être pour être sûr de mon choix, mais je suis un peu déçu. Et ce même graphiquement, je trouve les personnages faits un peu à la va-vite. Et là où j'ai bien aimé la touche ecchi dans Half and Half, là je l'ai trouvé naze, mais abusé quoi, presque inapproprié quoi. Bon, pareil pour le comportement de la mangaka, j'arrive pas à suivre sa personnalité en fait. Ouais, voilà. Bref, pour ce tome-ci, je suis partagé entre un 14 et un 15 sur 20, et je vais opter pour un 14 sur 20, en espérant que le prochain tome me fera retourner ma veste. Mais là, c'est mal parti quand même. Donc, vraiment, les dessous du manga par Hiroaki Samura, auteur de L'habitant de l'infini et Bound to Be on Air, ça aurait été parfait. Mais vraiment parfait. J'ai également acheté et lu le tome 4 de Ichikomi. Alors, on s'était arrêté au cours d'un tournoi de judo très sympa et on enchaîne jusqu'à la fin de celui-ci. Et franchement, ça passe bien. Bien que ça n'a rien non plus d'exceptionnel, le gros souci de cette série, hormis son manque d'originalité, c'est aussi que c'est une énième série de sport chez Pika Édition ou Pika Sport qui va se révéler assez courte. Alors, ça peut plaire à beaucoup de monde, mais ce que je trouve regrettable, c'est que ça enlève beaucoup de sensations épiques au manga. Apparemment, il y a 7 tomes finis au Japon, et là, on est au 4. Bon, on voit l'évolution du héros et de sa team, ça va pas être fou et pas véritablement mémorable. Après, c'est très sympa à lire, ça n'aspire pas à plus que ça aussi. Il faut accepter le produit comme il est, et donc un joli 15 sur 20, parce que je suis généreux et que je lis en numérique, mais si cette série devait me prendre de la place dans ma mangathèque, ce serait un 14 sur 20. Et je me contenterai tout simplement d'aller la lire à la FNAC, par exemple. Voilà. J'ai également acheté et lu le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Alors, finalement, j'ai pris le temps de lire ce tome 0, qui est une préquelle à la série, qui est aussi en vrai un pilote à la série. Il avait été fait avant. Et franchement, j'ai bien aimé. Il fait partie des meilleurs moments que j'ai lus avec le tome 4. Donc, je ne suis pas déçu de mon achat. Ça donne envie de continuer la série mère. Car le potentiel d'un très bon shonen à la Black Clover est là. Et lorsque je dis Black Clover, je m'entends ce qui réunit le meilleur des mangas shonen de son temps. D'autant plus que l'anime est en train de changer le regard de beaucoup sur la licence. Donc pour moi, pour ce tome 0, c'est un 16 sur 20. Voilà, puis on finit là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Faites-vous plaisir en achetant, mais surtout en lisant vos mangas. Je vous dis à bientôt.
et n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Et les commentaires sont les bienvenus, même si vous n'avez pas forcément les mêmes ressentis que moi sur les œuvres que j'ai présentées dans cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !